20h30, extinction des lumières. Non, ce n'est pas une panne d'électricité, mais il s'agit de l'événement environnemental Earth Hour. Hier soir, l'Algérie a fait partie des 190 pays qui ont pris part à cette manifestation planétaire grâce à l'association SIDRA, ambassadrice de l'événement en Algérie. À cette occasion, l'association SIDRA signe une convention de partenariat avec l'entreprise Schlumberger qui va permettre de développer des activités environnementales, mais aussi des activités de sensibilisation à l'économie d'énergie. Tout ça dans le cadre des objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable mondiaux, et qui seront aussi appliqués avec différents acteurs en Algérie, y compris la société civile, la jeunesse, mais aussi d'autres acteurs économiques sur le terrain. Les participants à la cérémonie Earth Hour ont appelé à une plus grande rationalisation de la consommation des énergies en impliquant la société civile pour atteindre cet objectif. Parce que la consommation d'aide au niveau d'un bâtiment, au niveau d'un ménage, ce n'est pas uniquement les déperditions qui sont dues, compensées par le chauffage et la climatisation, c'est tous les équipements électroménagers que nous utilisons au niveau de notre vie quotidienne. Pour cela, nous allons mettre justement la réglementation, c'est-à-dire rendre un peu notre réglementation un peu plus sévère concernant les performances énergétiques de ces équipements électriques que nous utilisons quotidiennement. Dans un message adressé aux participants, le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Chemseddine Chitour, a appelé à faire preuve d'audace en proposant au nom de l'Algérie, non pas une heure, mais une journée de réduction de consommation d'énergie.